la saison a été, on va dire, positive jusque la fin mars, quoi, donc c'est tôt. Après un bon coup de fatigue, bon, avec plusieurs choses, quoi, et puis après la Coupe du Monde qui s'est moyennement bien passée, je me suis fait une entorse, quoi, distorsion des ligaments internes et externes, quoi, j'étais obligé d'abandonner. Après, bah, 2-3 semaines où j'ai un peu, il a fallu se rééduquer et ainsi de suite, et puis bah, derrière, tout va bien, quoi. La forme est revenue rapidement, et puis bah, après, on a essayé de tout faire pour arriver ici. Avec les armes pour essayer de défendre le plus humblement son titre. Oui, bien sûr, ouais, ça rappelle des souvenirs. Après, il y a eu du chemin, il y a eu des belles satisfactions, il y a eu des désillusions. Donc, après, forcément, c'est une satisfaction derrière. C'est Göteborg, donc ça a été un peu le début. Maintenant, bon, bah, il y a eu d'autres années derrière, il y a eu 4 ans derrière, donc maintenant les compteurs sont on repart de zéro, donc il va falloir reproduire peut-être ce qu'on a pu faire à Göteborg il y a 4 ans. Sur un 50, c'est ça, quoi. C'est pas un lancer, c'est pas une course, c'est différent, quoi. C'est pas un saut, enfin, c'est complètement différent parce qu'il y a tellement de phases. Pendant 3h45, il se passe des choses là-dedans, donc. Les sensations peuvent être bonnes au 20, moins bien au 30, revenir au 40 et repas bonnes au 45. Donc, ouais, l'objectif, forcément, ça va être d'essayer de passer des mon titre facilement. Voilà, ça sera ça.